À 5000 km de la France, la province canadienne du Québec est devenue, en quelques années, l'Eldorado des stars du monde entier. Après Céline Dion et sa résidence de 7000 m², les acteurs Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones, ou encore Halle Berry, la tornade de X-Men, tous ont investi dans cette province du Canada. Et pour cause. Sur plus d'1,5 million de km², le Québec rassemble les paysages les plus grandioses et des villes où les hôtels sont parmi les plus chers du monde. Les lits que Céline Dion a dormi. C'est celle-là qu'on garde pour nos plus grands VIP. Bienvenue dans la plus grande province francophone d'Amérique du Nord, où les plus fortunés se retrouvent pour faire la fête à l'abri des regards indiscrets. Nous avons eu accès aux coulisses du Cirque du Soleil, le cirque le plus connu du monde. Ce jeune acrobate est français et se prépare à des scènes risquées pour le tout nouveau spectacle. C'est très périlleux, très technique et ça peut être dangereux aussi. L'acrobate doit être sûr de lui car demain c'est l'avant-première mondiale de Toruk, inspiré d'Avatar, le film aux 200 millions d'entrées de James Cameron. Tout le gratin québécois sera présent. À 270 km de là, le château Frontenac est le plus connu du Québec. C'est ici que se prépare le bal du maire, une soirée caritative à plus de 800 € par personne. Il n'y a pas un endroit plus prestigieux. Les gens de Québec adorent se retrouver ici. L'événement exceptionnel devra être à la hauteur de ses invités prestigieux. Bonsoir, bonsoir à vous à la maison. Au nord du pays, Christophe et Sylvie ne vont pas avoir un seul moment de répit. Je viens vous chercher et je vous accompagne au chalet. Leurs 15 chalets de luxe affichent complet. Voilà le panorama. C'est le luxe au fond des bois. À près de 1000 € la nuit, les Français vont devoir se mettre en quatre pour répondre aux exigences de tous leurs clients. Ouf, assez vivifiant hein, comme sport. Hein. Et leur offrir des vacances inoubliables. Mais ici, le sport national, c'est le hockey. À 19 ans, Maëlle a réussi à intégrer une des équipes féminines les plus réputées du pays. Dans quelques heures, son équipe affrontera Montréal pour la première place du championnat. Battez-vous comme du monde, puis patinez-les, 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 ils survivront jamais à la vitesse qu'on va sortir. Face à leur grande rivale, les filles de Québec sont prêtes à se battre pour gagner. Hey, sortez-la de là! Des sports extrêmes, beaucoup de neige et des grands espaces. C'est le luxe ultime que viennent chercher ici les touristes avides de sensations fortes et d'émotions. À Montréal, la plus grande métropole du Canada. 30 décembre au matin dans le Vieux-Port, sur le célèbre fleuve Saint-Laurent, gelé. Une péniche un peu particulière. Il est 7 h du matin, il fait -15 degrés. En bon québécois, Nicolas ne se laisse pas impressionner. Ah, c'est chaud quand même. Ça me relaxe avant une grosse journée stressante. Ça me permet de remettre mes idées en place avant un 18 heures de travail. Voilà. Cette petite pause, le jeune businessman en a bien besoin. Car demain, il organise la plus grosse soirée de l'année dans le Club Select de Montréal. C'est le repos du guerrier avant la bataille. Et on se repose un peu avant cette journée de fou. Nicolas attend plus de 650 personnes pour le réveillon du Nouvel An. Un véritable défi pour ce trentenaire réputé dans le monde de la nuit montréalaise. L'organisateur de soirée a 48 heures pour régler les derniers détails. Allez, c'est parti. Le compte à rebours a commencé. Direction le vieux Montréal, le quartier historique. Là, on est en retard, là. Ah, puis dès qu'il y a un peu de neige, les gens, ils savent plus conduire, là. Même au Québec. Depuis quelques années, c'est dans ce quartier aux faux airs de Brooklyn que se trouvent les endroits les plus branchés. Ici, les clients les plus fortunés ont l'embarras du choix pour faire la fête dans des discothèques qui n'ont rien à envier aux lieux les plus tendances des capitales, comme New York, Londres ou Paris. Et dans cette région du Grand Nord, les températures glaciales ne viennent pas à bout des fêtards qui s'amusent jusqu'au bout de la nuit. Cette petite maison qui ne paye pas de mine est une institution des nuits montréalaises. C'est un bel endroit. C'est hyper beau. Hein. Franchement, là, c'est que c'est une bâtisse... C'est une des plus vieilles bâtisses à Montréal. Le premier verre d'alcool qui a été servi légalement, c'était ici. Donc, en 1764, le premier permis d'alcool donné en Amérique du Nord, c'était ici. C'est ici que, depuis 5 ans, Nicolas organise des événements pour la jeunesse dorée de la ville. Excuse-moi, c'est que j'ai tellement d'appels que je vous vois. Là. Au rez-de-chaussée et à l'étage, un restaurant réputé et 2 salles de réception. Au sous-sol, une boîte de nuit branchée. En tout, 1400 mètres carrés qui appartiennent entre autres à Garou, le célèbre chanteur québécois. Ici sont venus dîner et danser les personnalités du monde entier, comme Bono et son groupe U2, ou encore Jennifer Lawrence, la star d'Hunger Games. Dès qu'elle apparaît. Depuis 1 mois, le téléphone de Nicolas n'arrête pas de sonner. Bonsoir, ça dépend combien de personnes. 2 personnes, oui, j'ai de la place. Dès qu'à l'appareil. 450 clients ont déjà réservé une table pour le dîner du réveillon. Mais Nicolas continue d'accepter les réservations, car depuis 1 semaine, il fait tous les soirs le même cauchemar. Tu sais, le cauchemar que tu te réveilles puis que tu arrives à l'école puis t'as oublié ton pyjama, genre, là, puis t'es en bobette, là. Bien, cette espèce de cauchemar-là, moi, je le vis pour mes événements. J'ai toujours peur qu'il y ait personne, que les gens, finalement, se disent « Ah, cette année, je vais ailleurs. On va ailleurs. » Puis je me retrouve avec rien. J'ai investi des dizaines de milliers de dollars dans de la prod, surtout du temps, de l'énergie et surtout de la réputation. Et puis que finalement, il n'y avait personne. Ça, c'est ma crainte. J'en dors pas la nuit, là. J'en dors pas la nuit. Bon, Benoît, as-tu installé le néon dehors? Il faudrait absolument peinturer les planches noires parce que là, vraiment, on les voit beaucoup trop, là. Tu peux avoir des costauds pour nous aider? Richard, il est disponible. Nicolas veut que tout soit irréprochable. Il a investi plus de 45 000 € pour la soirée. À ce prix, ses clients auront un dîner de luxe servi par une armée de jolies filles dans une décoration soignée. Et pour l'aider dans toute cette préparation, il a un atout de choc. C'est joli, mais tu vois, il y en a des comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ah, c'est que... Leïla a 26 ans, ancienne acrobate du Cirque du Soleil. Elle est aujourd'hui directrice artistique des événements de Nicolas, son mari et père de leur petite dernière, Zoé. C'est un travail familial. Ça va mieux dans ce temps-là. Ouais. Laila, c'est ma compagne, c'est ma partner, c'est mon amie, et c'est avec elle que je travaille pour tout ce qui est direction artistique. C'est la meilleure. Très objectif. C'est vrai que je suis peut-être un peu biaisé, mais pas tant que ça. Demain, en plus des 450 personnes attendues pour le dîner, 200 autres débarqueront ici pour faire la fête. Mettons-nous dans la peau du client, là. Le client va rentrer par ici. En tout, ce seront plus de 650 personnes à faire entrer dans cet endroit, qui est un vrai labyrinthe. Par ici. Pour que les clients n'attendent pas dans le froid, Nicolas et Leïla répètent le parcours inlassablement. Premier arrêt vestiaire, donne le manteau, machin, machin. Deuxième arrêt, check-in. Excusez-moi. Salut, partner. Hey, partner. Travailler avec Nicolas, c'est être interrompu à tout instant. Toujours. Oui. Surtout dans les événements comme ça. Ça va, toi? Ça va être facile. Comme d'habitude, Nicolas a une urgence à régler. Leïla va devoir se débrouiller seule. Pas facile avec un bébé d'à peine un mois. Ce soir, la nuit va être courte, j'ai l'impression. Ah oui, vraiment. Hein? Vraiment, t'as entendu, Zoé? La nuit va être courte. Ah, ma chérie. Fait que laisse-nous dormir un peu, mon amour, OK? Les nuits sont toujours courtes avec un nouveau-né. Ouais, dors, hein, la poupoune. Le couple n'a plus que 24 heures pour tout finaliser. Un dîner de 450 personnes et une fête qui devra être à la hauteur de la réputation de Nicolas, l'homme incontournable des nuits montréalaises. À 400 km de Montréal, dans le nord du pays, Charlevoix est le paradis des sports d'hiver. Malgré des températures pouvant descendre jusqu'à moins 40 degrés, la région attire les Canadiens les plus fortunés, avec sa vue imprenable sur le Saint-Laurent et ses grands espaces enneigés. Allez, viens ma grosse. Où t'es grosse fille? Christophe et Sylvie sont français. Depuis 10 ans, ils vivent à Charlevoix et comme tous les matins, ils rendent visite à leurs chevaux. On est venu chercher ça, là, se dépayser, être en communion avec les éléments, les choses simples. La paix, la tranquillité, la nature, les animaux, tout ce qu'on aurait pu trouver, tout ce qu'on n'avait pas trouvé, on n'arrivait pas à trouver ailleurs. Le couple a vécu dans les plus beaux endroits du monde, comme Paris ou même Saint-Barthélemy aux Antilles. Route! Mais c'est à Charlevoix qu'ils ont créé un paradis pour touristes privilégiés. Comment ça va? Comment ça va? Vous allez bien? Très bien. Ouais, vous aimez ça? Bah écoutez, ça se passe bien, oui. Passez de bonnes vacances? Excellent. Ah, bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Si Christophe et Sylvie sont un peu expéditifs avec ses clients français, c'est parce que leur journée est particulièrement chargée. Le couple gère la location de 15 chalets parmi les plus luxueux de la région. Répartis sur un domaine de 40 hectares, tous sont perdus en pleine nature, dans la forêt. C'est la dernière semaine de l'année et leur location affiche complet. De bon matin, Christophe et Sylvie viennent s'assurer que tout est prêt. Bah, toute la salle là-haut. Vas-y, monte. Suzanne, c'est pas la peine de faire. Là, il faut que tu fasses le lit maintenant. La lampe, c'est pas grave. Dans quelques heures, une nouvelle famille arrivera ici pour passer une semaine de vacances. Dans cet endroit exceptionnel. Donc autant te dire que tu as une vue quand tu prends ton bain qui est assez exceptionnelle parce que voilà le panorama. C'est le luxe au fond des bois. Cette cabane au Canada de 300 mètres carrés a coûté près de 650 000 € et fait partie des chalets hors du commun que Sylvie et Christophe ont aménagés et construits de leurs propres mains. Là, c'est un grand lit que Christophe a fait ou si c'est lui qui a tout fait là? Ça, c'est voilà, ouais. Ça c'est des lits uniques. C'est des lits qui sont taillés à la tronçonneuse et que je trouve quand je débâtis des granges. Et puis c'est des poutres là qui ont 150, 200 ans. Mais ça c'est pareil, tu vois, là, les tours de fenêtres, tours de portes, c'est fait avec des chutes de bois. Je m'amuse à faire ça, c'est vraiment un amusement. Mais Christophe et Sylvie ne sont pas là que pour s'amuser. Vous avez un spa, un hammam, un sauna. Puis vous avez surtout une vue magnifique sur le Saint-Laurent, donc j'espère que ça va vous plaire. Leurs clients viennent de prévenir qu'ils vont arriver avec 2 heures d'avance. Et le chalet n'est pas encore prêt. Là, il vous manque juste une chambre à finir, c'est tout? La chambre des 4 des enfants. Ouais. Puis celle en haut. Celle-ci est finie? Ouais. Et celle-ci à finir? C'est ça. OK. OK. Bon, ben, on fait vite. Les touristes ont déboursé plus de 4 500 € pour une semaine de location. À ce tarif, tout doit être parfait. Là, il faut mettre un tapis, une sortie de bain, là, pour quelque chose, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça. J'essaye de mettre tout joli pour que quand ils arrivent, c'est comme s'ils étaient attendus par la petite fée du logis qui a tout préparé pour eux. Donc les petites serviettes, les petits savons, exactement comme presque dans un palace. C'est pas le palace, mais c'est un peu le même esprit au niveau accueil, au niveau réception du client. Sylvie n'a plus que quelques minutes pour peaufiner les derniers détails. Elle espère que dès leur arrivée, ses clients seront émerveillés par leurs vacances à Charlevoix. Retour à Montréal, dans le quartier de Downtown. Thomas, 27 ans, est français. Originaire de Nice, il a traversé l'Atlantique pour vivre son rêve. Depuis 6 mois, il est l'un des acrobates du célèbre Cirque du Soleil. Demain, Thomas sera sur scène pour la première mondiale de Toruk, le tout nouveau spectacle dans un lieu incontournable au Canada. C'est vraiment une arena qui est faite surtout pour les gros concerts comme Muse, U2 et Beyoncé. Donc c'est un honneur et je suis vraiment fier de pouvoir passer dans cette grande salle-là. Pour en arriver là, Thomas a d'abord été athlète de haut niveau pendant 15 ans. Il a même fait partie de l'équipe de France de gymnastique. Depuis 5 ans, il se produit dans des comédies musicales, comme Notre-Dame de Paris ou encore le célèbre show The House of Dancing Water à Macao. Mais jouer dans le tout nouveau spectacle du Cirque du Soleil à Montréal, la ville où la troupe a été créée, est pour lui un énorme défi. Toujours une ambiance particulière, parce que les spectateurs canadiens sont très, sont très chaleureux et ils aiment le Cirque du Soleil, donc on espère que ça va plaire au maximum de gens. Donc on a un petit peu de pression, mais on va faire ce qu'on a à faire sur scène et puis voilà. Si Thomas est un peu stressé, c'est parce que le Cirque du Soleil représente l'excellence au Québec. Créé en 1984 par une troupe de saltimbanques et un certain Guy la Liberté. Cracheur de feu, il a décidé de réinventer le cirque traditionnel. Désormais, les scénographies sont millimétrées, dans des décors toujours plus surprenants et des costumes dignes des plus grands spectacles du monde. En 20 ans, c'est un triomphe international, avec plus de 15 millions de spectateurs chaque année et des spectacles joués dans le monde entier. Du Michael Jackson 1 à Las Vegas, en passant par Amatullah à Londres ou encore Totem à Singapour. C'est dans la banlieue de Montréal, dans un endroit tenu secret, que se préparent à l'abri des regards les spectacles du Cirque du Soleil. 1300 artistes de 55 nationalités différentes sont passés par ici. Dans ces 1000 mètres carrés, 3 salles d'entraînement et un département costume impressionnant avec plus de 5000 pièces, toutes faites sur mesure. Nous avons eu un accès privilégié aux coulisses du tout dernier né du Cirque du Soleil. Toruk, inspiré du film événement de James Cameron, Avatar. Aujourd'hui, les artistes s'échauffent avec précision. Dernier entraînement pour tous les artistes avant la première mondiale de Toruk, devant tout le gratin québécois. C'est parti. Depuis des mois, Thomas, le jeune Français, répète avec précision les acrobaties les plus périlleuses du spectacle. Imagine toute la place que t'as là. T'en as de la place pour rentrer la tête, t'en as de la place en masse. Sous le regard attentif de son coach, Thomas doit réussir un saut de l'ange double rotation à plus de 7 mètres de hauteur. C'est quand même une structure qui est très haute, donc il faut bien contrôler ce qu'on fait pour être sûr d'arriver sur la zone de réception et pas sur la scène qui est dure. Donc voilà. Donc c'est plutôt périlleux. C'est très périlleux, très technique et ça peut être dangereux aussi. Sans aucune protection, Thomas se hisse en haut de la structure, haute comme 2 étages d'un immeuble. Puis il finit par se lancer. Ah, c'est un peu mieux. Presque. C'est mieux ou pas? C'est un peu mieux, mais là tu... Thomas a réussi, mais demain, il aura la pression. Avec ses collègues acrobates, ils joueront devant 6000 spectateurs. Un spectacle très attendu qui devra être à la hauteur de sa réputation, très haut de gamme. À 270 km au nord-est de Montréal, une ville canadienne attire de plus en plus de curieux, la ville de Québec. Située aux abords du fleuve Saint-Laurent, elle est avec ses 500 000 habitants la ville la plus peuplée de la province, après Montréal. Des vieilles rues pittoresques classées au patrimoine de l'UNESCO. Et un spectaculaire château qui surplombe la vieille ville. Ce monument, c'est l'emblème du Québec, mais aussi le plus grand palace de la région. Inauguré en 1892, le château Frontenac est connu dans le monde entier. Il a même reçu le prix du château le plus photographié au monde. Avec sa tour centrale, ses 18 étages, une piscine intérieure, 2 restaurants gastronomiques, 116 chambres et suites aux prestations haut de gamme. C'est une adresse incontournable. Le lit que Céline Dion a dormi, et donc c'est celle-là qu'on garde pour nos plus grands VIP. Des VIP comme Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg ou Paul McCartney. Tous sont prêts à débourser 1 600 € pour une nuit dans cet écrin historique. Ce matin, l'hôtel est en plein préparatif. Dans 24 heures, 450 invités triés sur le volet assisteront ici au bal du maire. Une soirée caritative à 800 € par personne en faveur des jeunes défavorisés du Québec. La soirée attire la haute société. L'an dernier, elle avait rapporté 200 000 €. Cette année, le maire espère battre ce record. Et pour y arriver, l'hôtel met le paquet. Dans les étages du château, Alexandre, le chef des gouvernantes, commence son inspection. Demain, certains invités du maire dormiront ici. Les 110 femmes de chambre font le maximum pour que tout soit impeccable en temps et en heure. Maritès est l'une des préposées aux chambres. Elle forme Adrien, un stagiaire suisse. Moi, ça arrive qu'on ne voit pas qu'il y en a des... donc il faut recommencer. Puisqu'on connaît le Château Frontenac de Québec, ça reste un lieu assez impressionnant. C'est quand même un endroit, disons, un des grands endroits hôteliers du monde. Ici, les femmes de chambre sont payées 1 500 € par mois. Et avec les pourboires, ce salaire peut augmenter rapidement. J'ai un pourboire. C'est mon cadeau de Noël. Au 14e étage de l'hôtel, le chef des gouvernantes termine sa tournée. Bonjour Maritès, je vais inspecter ta chambre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Alexandre est du genre maniaque. Très critique sur les verres, s'assurer que le téléphone fonctionne. Les clients s'attendent à ce que ce soit parfait. Dans la chambre de Maritès, c'est impeccable. Mais à l'étage des suites, une mauvaise surprise l'attend. Alors qu'il vérifie chaque recoin, dans la salle de bain, un cheveu a été oublié au fin fond d'un tiroir. Je vais utiliser mon linge. Ni une ni deux, Alexandre répare l'erreur et continue sa tournée. Au rez-de-chaussée, la soirée du bal du maire occupe tous les esprits. Bonjour Pierre. Et surtout celui de Baptiste. De Paris à Hong Kong, ce chef cuisinier français a travaillé avec les plus grands, comme Alain Ducasse. Aujourd'hui, il dirige 2 des 3 restaurants de l'hôtel. Messieurs, dames, bon matin. Pour ne pas faillir à la réputation du château, le chef Baptiste va devoir préparer un dîner haut de gamme pour les 450 invités. Direction les cuisines. Bon matin. Ça va? Bon matin. Bon matin, chef. Bon matin. Ça va, Alexandre? Ça va très bien. Bonne journée. Merci à toi. Bon matin, t'es devenu québécois, Baptiste? Bah, écoute, au bout d'un moment, c'est ce qu'on appelle de l'intégration aussi. Mais bon matin, bonjour, on n'est pas si loin. Et je trouve que ça a quand même une bonne consonance. C'est agréable de commencer comme ça avec un bon matin. Et avec l'accent, tu peux nous le faire? Bon matin. Dans les dédales du sous-sol de l'hôtel, les cuisines sont à l'image de l'immense forteresse. Chaque jour, le chef parcourt une dizaine de kilomètres. Aujourd'hui, il doit peaufiner le repas qui sera servi demain aux invités du maire. Est-ce que tu as de la purée de betterave? Oui, de la betterave blanche. Ouais, très bien. T'as du beurre aussi, Frank? Pour composer son menu d'exception, le chef a déjà une petite idée en tête. Il compte surprendre les invités du bal avec son dos de bar. J'essaye de l'arroser au maximum pour le rendre le plus brillant, croustillant sur sa peau. Un peu de thym, un peu d'ail. Tout ça, ce sont des légumes qu'on peut retrouver, si tu veux, dans la région de Charlevoix. Les beaux légumes de Madame Leblond, c'est une famille qui a des potagers depuis très longtemps au Québec. Ils font des produits fantastiques. Avec ces produits de luxe, Baptiste espère séduire les Québécois très attachés à leur terroir. Dans le reste du château, tout le personnel est également sur le pied de guerre, pour que demain, le bal du maire soit à la hauteur du prestige de ses invités. Il est 6h30 du matin, dans un autre quartier résidentiel de la ville de Québec. Moi, je t'ai préparé ton âge, Maëlle. Maëlle, 19 ans, est franco-canadienne. Il y a 8 ans, elle a quitté Évry et la banlieue parisienne avec sa famille pour vivre au Canada, le pays de son père. C'est parti, une bouteille d'eau. Comme tous les matins, Sonia, sa mère, lui prépare sa lunchbox. Une habitude des lycéennes québécoises pour le déjeuner. Ça, c'est pas très écologique, mais faut pas faire autrement. Tiens. Merci, maman. En emménageant à Québec, Sonia a dû renoncer à ses grasses matinées, mais aussi au bon café français du matin. C'est du pipi de chat. En réalité, il n'est pas très bon, mais on s'adapte. Ces sacrifices, Sonia les a faits avant tout pour sa fille. Depuis toute petite, la franco-canadienne a un rêve insolite. Devenir l'une des meilleures joueuses de hockey sur glace au monde. Et pour cela, elle a dû troquer ses tenues de fille pour une véritable armure de guerre. Ça, c'est des gants. C'est pas mal ça. Il y a un casque, il y a des culottes, des coudes, les patins. C'est les épaulettes pour protéger le haut du corps. Ouais. Plus tu grandis, plus tu montes de niveau et plus tu dois investir dans un équipement de hockey. C'est lourd un peu, oui, mais on s'habitue. Une tenue que les Canadiens connaissent par cœur. Ici, un habitant sur 5 joue au hockey. Un sport national plutôt dangereux, souvent défini comme étant le plus rapide du monde. Avec un frère hockeyeur et un père entraîneur, Maëlle a baigné dans ce sport depuis toute petite. Je prenais des photos de lui, puis on est vraiment très proches, Axel et moi. Je suivais mon frère partout. Il était sur la glace, puis moi j'étais dans les estrades et je faisais la même chose que lui en roller. Puis non, je voulais suivre l'exemple de mon frère. En fait, j'avais fait une petite fille parce que je voulais qu'elle fasse de la danse classique. Petite tutu rose avec la petite dentelle. Et puis, je voulais rien savoir du hockey. Pour moi, le hockey, c'était un sport de gars. Mais Maëlle en a décidé autrement. Fini les tutus et les justes au corps. 4 fois par semaine, la jeune hockeyeuse s'entraîne dans cette patinoire du centre de Québec. Son équipe, les Limoilou, est l'une des plus réputées du pays. Demain, elle jouera le match le plus important de la saison. Dernière pratique avant Noël? Hein? C'est la dernière officielle. On va continuer ce qu'on a vu hier, ce qu'on a vu mardi, c'est-à-dire on va faire des 1 contre 1 et en plus, on va travailler en sortie de zone. Ça marche? Pascal coach cette équipe depuis 13 ans. Pour lui, une défaite est inenvisageable. D'autant que demain, les recruteurs des plus grandes universités américaines seront présents dans la salle. Hop, la rondelle, passe derrière, gagne espace, toi rapidement, viens gagner, je veux que la passe se fasse sur la ligne rouge. Les meilleures joueuses pourraient se faire repérer et se voir proposer une entrée à l'université pour jouer dans les plus grandes équipes du pays. Viens t'en échapper, le groupe qui est ici, donne une poque au défenseur qui suit. Défenseur tape la rondelle, on prend le rebond et on essaie de la mettre dans le net. Les deux côtés en même temps. On se lève la tête, c'est important. Et ça, c'est une petite nouveauté, on l'a vu mardi. Là. On veut pratiquer le long jeu en zone neutre pour pouvoir battre les défenseurs. C'est une genre de petite stratégie surprise pour demain. Pour surprendre leurs adversaires, les joueuses vont devoir s'adapter. Mais pour Maëlle, la Française, ce n'est pas évident. Ce matin, elle perd tous ses duels. Et surtout, elle ne parvient pas à mettre le palet, qu'on appelle ici la rondelle, au fond du filet. Hey, ça va pas bien un matin. Et ici, c'est intense, puis cette forme-là, on travaille beaucoup. Ouais, j'y vais. Maëlle fait partie des plus jeunes joueuses de l'équipe. Pourtant, Pascal est persuadé que demain, lors du match, elle pourrait faire la différence. Elle est très habile avec la rondelle, puis tu sais, c'est impressionnant. Elle est capable de faire dans un espace très petit, d'être capable de, on appelle ça déchausser l'adversaire. Si on va en fusillade, elle est capable de marquer 4 fois sur 5 facile. C'est une excellente joueuse. 2 heures plus tard, l'ultime entraînement avant le match est fini. Maëlle est fatiguée, mais le jeu en vaut la chandelle. En 2 ans, la Française a réussi à s'imposer dans cette équipe d'exception. Vous êtes contente d'elle, ça va? Oh. Ah, ouais, ouais. Pas mal ça. Elle se débrouille bien ou pas pour une Française? Ouais, bah. C'est correct. Les filles sont détendues. Salut là! Pourtant, demain, elles joueront leur titre de championne face à leur grande rivale de Montréal. Le lendemain, c'est le jour J. Il est 14 h, l'équipe des Limoilou part pour Montréal, où elle jouera ce soir le dernier match de l'année, et aussi le plus important. Vous sentez comment les filles aujourd'hui? En forme. On s'en va battre Dawson, ils vont manger une volée. À peine arrivée, Maëlle, la jeune Française, se fait déjà taquiner. Et la France, ne laisse pas planter là, putain. Hein. Allez, hop, du vent. J'ai baptisé comme ça la première journée que je l'ai vue. Elle est comment la France? La France, elle est pas pire. En québécois, on dit elle a la couenne dure. Elle a un caractère qui s'adapte à toute situation. Elle est capable d'en prendre. Je vous a couenne dure. On est parti. 250 km séparent Québec de Montréal. Alors que certaines en profitent pour faire leur devoir de lycéenne. Procédé comique, le comique des mots. Maëlle préfère s'isoler. Je me calme puis je m'excite pas trop pour rester concentrée. Mais après 3 heures de route, les embouteillages bloquent le bus à l'entrée de Montréal. Et très vite, les filles ne tiennent plus en place. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le trop longtemps qu'on passe dans l'autobus. La préparation d'avant-match, on est capable de compenser, mais là, on bouge pas. Il y en a qui dorment, il y en a qui sont mal assis, là, on les sent. Vous n'avez pas senti l'activation aussi, là, on les commence à parler plus fort. Il faut s'habiller, il faut se préparer, il faut... On manque de temps, là, assurément. Avec ce retard, les Limoilou risquent de se retrouver sur la glace sans avoir le temps de s'échauffer. Or, en face d'elles, les Dawson ne leur feront aucun cadeau. Retour dans le nord du pays, à Charlevoix. Il est 9 h du matin. Il a neigé toute la nuit dans la station du Mont-Grand-Fond. Oui, Christophe, tu m'entends? C'est Sylvie, tu m'entends? Est-ce que t'as beaucoup de neige là où tu es, là? Tu m'entends? J'aimerais bien aller voir chez les Gorses s'il a déneigé cette nuit. Je prépare moi un café, j'arrive. Ok, on t'attend alors. Ok, à tout de suite. Bisous. Alors que son mari finit de déneiger l'accès à ses chalets, Sylvie profite avec sa fille Marie de ces derniers instants de tranquillité. Voilà, un petit café. Voilà, un petit peu de sucre. Depuis hier soir, les 15 chalets haut de gamme gérés par le couple sont loués. Pour Sylvie et Christophe, ce sont 15 familles dont ils vont devoir maintenant s'occuper. Là, on doit avoir 1,20 m facile. Hein, normalement, on est 1,20 m. Ouais. On est encore loin des 6 mètres. Là, voilà, pour tout ce qui est raquettes et ce qui tronc, c'est parfait. Oui, hello? À l'autre bout du fil, des Français arrivés la veille pour une semaine de vacances. Oui. Vous pouvez partir directement du chalet en ski de fond et vous rattraper les pistes. Il y a à peu près 140 km de sentiers balisés tout autour du Mont-Grand-Fond. Malgré les prévisions météo peu clémentes de la journée, les touristes sont décidés à découvrir les activités que propose la région. Donc vous avez le choix, soit ski de fond, soit ski de piste, soit raquette. C'est-à-dire qu'en général, toute la famille y trouve son compte. Sylvie offre un service haut de gamme à ses meilleurs clients. Un accompagnement sur mesure tout au long de leur séjour. Et ce matin, les Français ont besoin d'elle pour profiter de l'enneigement exceptionnel. C'est des quoi ? Nathalie, 48 ans, est la maman. C'est des quoi ? Elle est venue avec sa fille Jessie. C'est reposant, c'est magnifique. Et aussi sa meilleure amie. Avec les flocons. Pour rejoindre la station, les femmes ont choisi le traîneau. Jacqueline, 71 ans, est la doyenne du groupe. Elle fait elle aussi partie du voyage. C'est en bas des pistes que Sylvie et sa fille les attendent pour une balade en raquette avec les deux fils de Nathalie. Gary, 17 ans, et Tony, 23 ans. Prêt pour la raquette? Alors, on va aller louer les raquettes. Sylvie connaît déjà la famille qui avait loué un de ses chalets en été. Aujourd'hui, elle leur propose une excursion en raquette. Une grande première pour les adolescents, plutôt accros au surf et à la glisse. Pour les raquettes, c'était pas très chaud. Non, mais je me fais plaisir pour tout le monde, mais c'est pas trop mon truc. Mais on verra bien après. Ouais. Ça a l'air d'être fatigant. Ouais, c'est très très fatigant, très physique, surtout s'il y a beaucoup de poudreuse, il y a de la neige. Déjà de marche dans la neige, c'est crevant, alors... On verra bien, hein, c'est drôle. Les Français ont bien compris que cette balade sportive en pleine nature ne serait pas de tout repos. Pour l'instant, ça va. Affaire à suivre. C'est parti pour 4 km de randonnée sur les sentiers très enneigés du Mont-Grand-Fond. Avec la neige qui continue à tomber, les conditions sont particulièrement difficiles. Alors Sylvie ferme la marche pour assurer la sécurité des touristes. C'est vivifiant hein, comme sport. Hein. Plutôt un moyen de déplacement utilisé depuis des millénaires en Amérique du Nord pour atteindre les zones inaccessibles. Et ça, les ados l'ont bien compris. Je me suis dit, voilà, je vais me lever pour aller faire de la raquette. Voilà quoi. Mais au final, en faisant n'importe quoi et puis en rigolant, on se fatigue vite quoi. Non, c'est cool hein. Prêt? 1, 2, 3. Ouais, c'est déjà... Les jeunes courent partout, sortent du sentier et ont plutôt l'air de s'amuser. On dirait que Sylvie a réussi son pari. Ils vont partout dans la neige, on a l'impression d'avoir des petits chiens fous, là. Ils sont super heureux. C'est ça, c'est ce qu'on voulait justement, que les gens s'amusent et puis profitent. Ah, après 2 heures de raquettes, Marion et Jacqueline, les 2 seniors du groupe, commencent à montrer quelques signes de fatigue. Mais le refuge n'est plus très loin. C'est là que Sylvie emmène les Français pour faire une pause. Un lieu très dépaysant pour la famille, habituée aux restaurants plus traditionnels. La soupe. Ah, elle est bonne. Ah, je peux pas te dire à quoi est la soupe. Ça s'appelle soupe et elle est bonne. C'est soupe. Si le confort est un peu spartiate, il est gratuit et fonctionne grâce à la solidarité des randonneurs. Dans n'importe petite cabane ou refuge perdu dans les bois, il y a toujours un foyer, toujours du bois, des allumettes, un peu de choses de survie pour que les gens ne se retrouvent pas perdus et sans possibilité de pouvoir se chauffer ou manger quelque chose. À peine de quoi remettre sur pied les 4 adolescents qui ont couru toute la matinée. Mais l'avantage, c'est qu'ici, ils sont au cœur de la culture québécoise. Oh, il y en a qui disent qu'il fait frette. Il fait frette? Oui, mais c'est peut-être pas la langue de Molière. Quand on dit « fait frette » le matin, ça veut dire que c'est beaucoup plus froid que d'habitude. Je vais retenir ça. Je fais frette. Alors que les Français commençaient à s'habituer à cette ambiance très locale, Sylvie les entraîne déjà vers la sortie. Il leur reste 2 bonnes heures de randonnée avant que la nuit commence à tomber. Et ce n'est pas les plus faciles. Du haut de ses 72 ans, Jacqueline a clairement du mal à s'y remettre. Et elle n'est pas la seule. Ouais, ça... On sent qu'on est sur le chemin du retour. C'est un peu plus compliqué, mais j'avoue, c'est intense. Mais après 3 heures d'activité sans relâche, le groupe passe enfin la ligne d'arrivée. Yes, je l'ai ramené au bercail. Les batteries sont un peu épuisées, mais voyage sensationnel. Bravo quand même, hein. Vous pourriez quand même l'applaudir, bravo. Une expérience qui restera gravée dans les mémoires des touristes, visiblement conquis par les plaisirs de Charlevoix. D'autant qu'après l'effort, le réconfort va être immense. La nuit commence à tomber sur le chalet des Français, déterminés à passer une semaine de vacances typiquement canadienne. Dehors, il fait moins 7 degrés, mais pour les Français qui veulent goûter au luxe québécois, pas question de finir la journée sans un bon spa, à 40 degrés. Tous les soirs, petit jacuzzi en rentrant. Pour détendre les muscles après l'effort intense de la journée. Vous y allez pas, Nathalie? Non, 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 je vais laisser la place aux jeunes. C'est un petit peu frais quand même. Pas de quoi refroidir les adolescents, décidés à passer des vacances inoubliables dans le Grand Nord canadien. Retour à Montréal, la grande métropole québécoise, dans le quartier de Downtown, au 37e étage d'un hôtel. C'est le jour J pour Thomas, l'acrobate du Cirque du Soleil. Ce soir, il sera sur scène pour l'avant-première mondiale de Toruk, le tout nouveau spectacle du cirque québécois. Mais pour l'instant, il a l'air plutôt détendu. Allô, tu m'entends? Oui, coucou, ça va? Ça va et toi? Charlotte, la petite amie de Thomas, est à Macao, en Chine, à 12 000 km de Montréal. C'est là-bas que le couple s'est rencontré, il y a 3 ans, dans une troupe de spectacle. Comment Mais depuis qu'il a intégré le Cirque du Soleil, l'acrobate vit avec Charlotte une relation à distance entre l'Amérique du Nord et l'Asie. C'est vrai que c'est pas très évident d'avoir ce genre de vie, voilà, de voyager tout le temps et puis d'être loin, quoi. Donc là, ça permet de se comprendre et ça permet d'avoir un petit équilibre quand même. Bon, je te laisse et donne tout, concentre-toi et sois beau et surtout prends du plaisir et ça va le faire, ça va être super, je pense. Ok, merci mon bébé. Bonsoir à toi. Gros bisous, je te rappelle demain. Ok. Je t'aime. Je t'aime. Le couple ne se voit que tous les 2 mois, mais ils se parlent tous les jours. Un vrai réconfort pour le jeune acrobate qui est ici seul, loin de sa famille. Il est 15 h, direction le Centre Bell, la plus grande salle de concert du Canada. Côté entrée des artistes. C'est parti. Bonjour. Passage obligé par la sécurité. Direction les coulisses et la loge où se préparent les artistes. C'est la loge pour les mecs, pour les garçons, ouais. On est 10 par dressing room. Donc chacun a sa petite station comme ça. Et c'est là où on fait notre make-up, qu'on se prépare. Et voilà, on a notre petit miroir avec nos petits produits et tout. Voilà. C'est quoi ces petites photos? Ça, c'est des photos de mes amis, de ma famille, enfin voilà, de tous mes proches. Je les mets ici, comme ça, je les ai toujours près de moi. Thomas s'est créé son espace à lui. Je vais penser à eux quand je serai sur scène. Avant le début du spectacle, le jeune artiste se concentre au milieu des créatures de Toruk, inspiré du film Avatar de James Cameron, qui avait battu tous les records au box-office en 2009. Dans quelques heures, les créatures fantastiques du spectacle prendront vie avec les 35 artistes sur cette scène. On se rend vraiment compte de la taille du bâtiment et quand on voit tous les sièges, on se rend compte de tous les gens qui peuvent voir le show, donc c'est impressionnant. Ça met un peu la pression, ça met un petit stress quand même, parce qu'on se dit waouh, il y aura quand même énormément de gens ce soir qui vont voir ce show, donc, mais je trouve que c'est une pression qui motive aussi, parce qu'on est quand même content de pouvoir performer dans une salle comme ça et ça fait plaisir, quoi. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire un show comme ça, dans un endroit comme ça, quoi. Ce soir, 6000 personnes seront présentes pour la première mondiale du spectacle. À 2 h du show, l'acrobate doit commencer sa transformation. Et pour ça, direction le maquillage. Et là, surprise. Comme dans les cirques traditionnels, les artistes doivent réaliser eux-mêmes une véritable œuvre d'art. Donc là, c'est le maquillage. Donc mon objectif, c'est de ressembler à ça, en fait. Ça, c'est le maquillage qui a été fait le premier jour pour la professionnelle. On se met dans la peau du personnage grâce au maquillage et grâce au costume. Moi, en fait, je prends ça un peu comme une couverture qui me protège quand je suis sur scène, quoi. Quand je suis sur scène, c'est pas Thomas, mais c'est le Navi, quoi. Les Navis, ce sont les habitants de la planète Pandora. Il faudra 1 heure à Thomas pour lui ressembler et devenir son personnage. Là, je commence vraiment à rentrer dans la peau du Navi, ouais. Il me reste plus qu'à mettre ça, encore la queue, les chaussures et la pièce qu'on met sur la tête aussi. Ses chaussons et sa combinaison ont été faits sur mesure, comme tous les autres costumes du spectacle. La première étape, c'est d'être sûr qu'on n'a rien oublié, parce qu'il y a quand même beaucoup d'accessoires différents. Et ensuite, après, ouais, on se concentre, on se réchauffe encore un tout petit peu, et puis voilà. Je veux bien que tu me le fermes derrière, s'il te plaît. Succès. Tiens, hop. Et maintenant, la perruque. Là, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus de Thomas et que ce soit juste le Navi qui prenne le dessus. Pendant qu'en coulisses, tous les artistes finissent de se préparer, à l'entrée de la salle, c'est la cohue. Toute la presse s'est donné rendez-vous ce soir pour l'avant-première mondiale du nouveau spectacle du Cirque du Soleil. un véritable événement au Québec. On est sur le tapis rouge pour l'avant-première mondiale du Cirque du Soleil, inspiré du célèbre film Avatar. Pour l'occasion, des navis et des animaux, tout droit sortis de la planète Pandora. Mais pour l'heure, la véritable vedette, c'est James Cameron, l'homme qui a inspiré ce spectacle. Et quand un navi rencontre son créateur, ça donne ça. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que vous êtes fier du spectacle? Oui, je suis très fier du spectacle. Je l'ai vu il y a un mois alors qu'il répétait et je suis sûr que ça a beaucoup changé depuis. Je suis impatient de voir ce que ça a donné. Et les stars québécoises ont elles aussi répondu présentes. Parmi elles, Rock Voisine et Garou, qui retombe en enfance. C'est vraiment comme un enfant qui vient au cirque ce soir. Ils ont réinventé le cirque, ils ont réinventé le visuel du spectacle. Et je connais personne dans le domaine artistique qui travaille aussi fort que ça pour être encore très créatif tout en restant très récréatif. Reste à savoir si les 6000 Montréalais présents dans la salle seront transportés par ce tout nouveau spectacle. La magie va-t-elle opérer? Thomas, le jeune acrobate français, sera-t-il à la hauteur? Retour à Québec, sur les rives du Saint-Laurent, dans le célèbre château Frontenac. Ce soir, les 450 invités du maire de la ville seront reçus dans ce lieu historique pour la soirée caritative de l'année en faveur des jeunes défavorisés. Une version québécoise du gala de la Croix-Rouge de Monaco. Pour cette 5e édition, les associations espèrent récolter plus de 200 000 €. Les équipes doivent donc redoubler d'efforts pour que tout soit irréprochable. Il reste pourtant beaucoup à faire pour que cette salle de bal soit digne de Versailles, le thème de la soirée. Parce que là, tu me dis que si toutefois, si on le met comme ça, puis on avance l'autre, mais qu'on le tourne, puis que ça soit cette face-là. Je vais regarder. Roxane est l'organisatrice de la soirée. À quelques heures de l'arrivée des invités, elle n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Comme ça? Oui. Il n'est juste pas droit. Son challenge, transporter les 450 invités du maire à la cour du roi Louis XIV. Quand je suis rentrée tout à l'heure, à 8 h, voir la salle, j'ai vraiment eu le... Oh, que c'est beau! Il n'y a pas un endroit plus prestigieux. Les gens de Québec adorent se retrouver ici, au château. Ça fait partie de leur identité. Il y a une mémoire affective dans ce lieu-là qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a plein de beaux endroits à Québec, mais le château reste le château. Est-ce qu'on peut refroidir le petit Frontenac, s'il vous plaît? Dans ce décor de rêve, Roxane et Jean-Marc ont une préoccupation majeure. Moi, la piste de danse, d'après moi, 3 pieds de plus par rapport à ce qu'il y a. Je sais. C'est pour ça, parce que je sais qu'une année, il avait exigé d'avoir une grande piste. Pour le maire de Québec, une soirée réussie est une soirée où l'on danse. Alors, pour cette 5e édition du bal, il faut que la piste soit adaptée. La préoccupation du maire, c'est que les invités puissent vraiment s'amuser. Puis, il tient mordicus et... Il y a une année, on avait une piste de danse magnifique, lumineuse. Cette piste-là avait été utilisée pour le spectacle de Céline Dion. Et on a eu la chance de pouvoir l'emprunter. Mais elle était carrée et toute petite. Ce qui fait que les gens, à la fin de la soirée, se sont retrouvés confinés dans un petit espace. Cette année, Roxane n'a pas lésiné sur la piste. 45 mètres carrés, rien que pour s'amuser. Reste à espérer que les invités soient d'humeur à danser. Il est 17 h, la nuit commence à tomber sur le fleuve Saint-Laurent. Dans les sous-sols du château, les 80 mètres d'hôtel sont en plein briefing. Là, on va servir le vin rouge pour les hommes, puis un autre sorte de vin blanc pour le flottant pour les femmes. Les équipes du chef travaillent d'arrache-pied. Quant à Baptiste, le chef cuisinier, ce qui le préoccupe, ce n'est pas le dîner, étonnamment, mais plutôt l'idée un peu insolite qu'il a en tête. Ouais, complet. Tous les deux, vous êtes plutôt... Faut pas que ça bouge, hein. Pour surprendre les personnalités les plus influentes du pays, le chef a décidé de parader dans la salle de bal avec des animaux empaillés pour évoquer les repas fastueux de la cour de Versailles. Imagine la bête. Cette énorme tête de bison sera le clou du spectacle. Incroyable, hein? Je réfléchis encore à savoir si on va le prendre ou pas. C'est un peu la surprise du dernier moment. C'est plus dans le sens où la nourriture qu'on pouvait amener à Versailles était astronomique, gargantuesque. De se dire, voilà, on vous amène telle pièce, le cochon entier, la parade de ça. C'est un clin d'œil. Baptiste voudrait défiler lui-même avec cette tête de 25 kilos sur l'épaule. Une décision risquée, d'autant que dans la salle de bal, l'espace entre les tables est limité. En même temps, tous les deux. Vous faites un temps d'arrêt. Voilà, je vais me mettre deux. Et moi, je vais passer devant. Baptiste tient à mettre en scène lui-même la parade. Le parcours est millimétré. De porter des brancards, ça reste quand même assez spécifique. Il va falloir faire attention à ce qu'il y a dessus, donc de bien rester droit. On va avoir du temps, donc c'est de prendre son temps aussi, là. Tu sais, pas de stress, là. Les gens, ils sont là pour regarder, ils vont faire « waouh ». Donc, pas de pression. Au Québec, le chef français a appris à ne pas stresser. Pourtant, dans moins d'une heure, les 450 invités du maire lanceront les festivités. D'ici là, il reste 45 tables à dresser et quelques détails à régler. Il est 19 h, la 5e édition du bal du maire peut enfin débuter. Devant l'entrée, c'est le ballet des belles voitures. Toute la haute société québécoise s'est donné rendez-vous. Le maire est l'un des premiers arrivés. Cela fait maintenant 5 ans qu'il préside cette soirée en faveur des jeunes défavorisés du Québec. Ce soir, on battait le record. 71 % de l'argent qui doit être conduit allait directement aux jeunes, mais seulement 29 % vont servir à l'organisation. L'an dernier, la soirée avait rapporté 200 000 € aux associations. Ce soir, ils espèrent dépasser ce record. Dans le hall d'accueil, Jean-Marc, le responsable des banquets, s'aperçoit qu'un détail a été oublié. Ce petit pouf, indispensable aux femmes canadiennes quand elles assistent à des soirées mondaines. Avec une température extérieure en dessous de 0, les femmes de Québec ne sortent jamais en escarpin. J'ai pas osé, parce que j'étais à pied. La neige est froide, hein, donc pour les pieds. Après avoir troqué leurs bottes contre des chaussures de balle, les invités découvrent la salle du banquet. Oyez, oyez, veuillez rentrer dans la salle de bal. Un hologramme en hommage au roi soleil. Des tables somptueusement décorées. Dès les premières secondes, la magie opère. C'est excellent. C'est très magnifique. Magnifique. Effectivement, c'est très belle. C'est très glamour. Hein? C'est magnifique. Je croirais à Versailles. Il est 20 h 15. Baptiste, le chef, est un peu tendu. Le dîner a déjà 20 minutes de retard et les assiettes qui attendent d'être servies sont en train de refroidir. Si les invités ne s'installent pas rapidement, le dîner risque de décevoir et la réputation du chef pourrait en pâtir. Montréal, le 31 décembre au matin. La neige est tombée toute la nuit. Il fait moins 15 degrés. Les joies de l'hiver. Ah, c'est pas le fun, ça? Il est 9 h du matin. Nicolas, l'homme incontournable des nuits montréalaises, est équipé pour affronter la journée. Les petites bottes de neige, c'est québécois, ça? Ouais, mais ça, c'est mes petites bottes, là. Mais parce que mes grosses bottes sont au chalet. Mais t'as pas le choix d'avoir des bottes ici. Sinon, t'attrapes la crève, là. Et pas question pour Nicolas de tomber malade. Ce soir, il attend 650 personnes, parmi les plus sélectes de la ville, pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit dans le club historique de Montréal. Oh merde! On va attaquer le montage de la salle. Pour Nicolas, une grosse journée marathon commence. Il a investi plus de 45 000 € pour cette soirée et veut garder son statut d'homme incontournable de la nuit. Courge, carottes, betteraves. Dès l'âge de 7 ans, je m'occupais des soupers de mes parents. Donc, je mettais les ampoules de couleurs, j'allumais les bougies. Tu sais, je mettais la musique, je m'assurais que l'ambiance était parfaite. Mais à l'époque, je me doutais pas que ça pouvait être un métier. Ouais, je suis chanceux d'être un acteur dans le nightlife, ouais, finalement, ouais, à Montréal. Du cèdre, du beau cèdre canadien, là. Ça sent bon, ça sent le frais, ça sent l'hiver. Mais là, ça fait non. Je veux pas ça, moi. Il faut que tu le coupes, là, parce que là, après, c'est trop épais. We need a sécateur. Oh yeah, oh yeah! Le grand organisateur des fêtes montréalaises ne ménage pas ses efforts. Tu sais, c'est quoi un vrai général, un vrai leader? C'est quelqu'un qui est le premier sur le champ de bataille et qui est le dernier à en sortir. C'est pas avoir de succès si tu travailles pas, si tu te lèves pas tôt puis si tu finis pas tard. C'est mathématique. C'est pas juste être devant ton ordi à réfléchir à des concepts. Tu t'automotives, là? Ouais, là, je m'automotive, là. Il est 16 h. Dehors, la déblayeuse n'est toujours pas passée. Et Nicolas s'impatiente. Et comme je répète depuis le début, ça m'énerve quand les choses se passent pas, donc je les fais moi-même. C'est les joies de l'hiver. À ce rythme-là, pas sûr que le businessman tienne jusqu'au bout de la nuit. Passe, là? OK, messieurs. Mais peu importe, car sa priorité, c'est le client. Et surtout les clientes. En fait, la Québécoise sort en talons et elle a très froid et elle a de la difficulté à marcher et elle se rend péniblement jusqu'au bar. Puis rendue au bar, ça va bien parce qu'il fait chaud. Puis en sortant, mais avec un verre dans le nez, elle marche comme ça dans la neige, tu sais, puis c'est ça, la fille québécoise. Non, c'est pas facile d'être une femme au Québec, hein? Julien, John, Massimo... On se retrouve à l'étage, s'il vous plaît. Dans l'auberge, les 80 employés sont présents. Ce soir, serveurs, hôtesses et barman devront vendre un maximum de bouteilles pour rentabiliser les 45 000 € investis dans les boissons, la décoration, le repas, mais aussi l'équipe. Caroline, la responsable de tout ce personnel, est chargée de motiver ses troupes. C'est le dernier meeting avant l'événement. On est presque prêt, mais on n'est jamais prêt. Les filles, moi je veux voir des grosses bouteilles sortir ce soir. OK? Ça part à peu près à 60 à 70 $. Je veux vraiment du gros vin qui sort, je serais vraiment super heureuse. Hey guys! Hey, on se prend une photo avant que tout le monde monte. Je veux tout le staff ici pour prendre une photo. L'enjeu de la soirée est clairement posé. Vous êtes les premiers sur la ligne de bataille. Let's go! Alors que tout le monde est apprêté et que dehors, les premiers clients commencent à arriver, l'organisateur de la soirée, lui, n'a que quelques minutes pour se préparer. J'ai même pas eu le temps de rentrer à la maison, relaxer, prendre une douche. C'est clac, là, dans les dents, comme ça, là. Le businessman a tout planifié de façon millimétrée pour que ce soir, à minuit, le dîner soit terminé et les clients tous sur la piste de danse pour célébrer la nouvelle année. Si dans la salle, l'ambiance commence à prendre, dans les coulisses, let's go, guys. Nicolas est plutôt stressé. Go, 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 go. Yep, yep. Vas-y. J'ai besoin de la viande. Plateau de viande. Il tient à ce que tous les clients soient servis en même temps. Mais avec 450 convives, le défi est difficile à relever. C'est une vague. C'est une vague, donc il faut que ça aille le plus rapidement possible. Sinon, il y en a qui mangent et d'autres qui ne mangent pas, puis c'est la honte. C'est chaud. Perfectionniste jusqu'au bout, l'homme de la soirée vient à la rescousse de son équipe. C'est bien? Oui, go. Merci. Et s'improvise désormais serveur. Guys, let's go! Il est un peu perdu, mais ne se démonte pas. Alors que de son côté, Leila, sa femme, profite tranquillement de la soirée. Nicolas n'est pas à sa place. En fait, j'ai pris sa place. Il se posait être assis par là-bas, mais ça fait partie d'être avec quelqu'un qui organise la soirée. À 23h, et malgré quelques contretemps, tout le monde est finalement sur la piste de danse, prêt à célébrer la nouvelle année. Les jolies filles et le champagne sont au rendez-vous. Tout le monde se déhanche. Plus que quelques secondes avant minuit, le compte à rebours va commencer. Les filles sont bonnes, les filles sont belles, ils font un bon travail. Donc les bouteilles sortent, ça va être une belle soirée. Je pense qu'on va briser le record de l'année dernière. La soirée est un succès. 500 bouteilles vendues et plus de 100 000 € de recettes. Le brillant trentenaire a réussi son pari. Après 4 longues heures de route, l'équipe de hockey sur glace féminine du Québec arrive enfin à Montréal. Trouvez l'aréna! Trouvez l'aréna! Il s'agit de savoir l'aréna est où? C'est ici que les filles vont jouer leur première place au championnat. L'équipe a 1 heure de retard et doit se dépêcher. Dans moins de 50 minutes, elles affronteront leur grande rivale de Montréal. Mais Maëlle, la joueuse française, reste motivée. C'est vraiment une game importante pour nous. Et, je pense que les deux équipes, on a hâte de jouer. Et ça va être la fébrilité ce soir. D'autant que ce soir, des recruteurs de grandes universités américaines seront dans le public pour repérer les meilleures joueuses. Mais les filles ont peu de temps pour se préparer. À côté d'elles, l'équipe de Dawson qu'elles espèrent battre sur la glace. C'est pas nos copines, non? C'est pas nos amis. On est vraiment proches, fait que ça monte l'intensité un peu et la rivalité. C'est sûr que c'est la compétition tout le temps avec eux. C'est normal, ça fait de la haine. On veut les battre, c'est ça l'enjeu. À cause de son retard, l'équipe de Québec zappe une bonne partie de l'échauffement et boucle le tout en moins d'un quart d'heure. Quant à Pascal, le coach, il abrège lui aussi son discours d'avant-match et va droit au but. C'est important que quand ils startent avec la rondelle, vous vous assurez de jumper dans leur face. Je veux même pas qu'on négocie là-dessus, là. C'est dans leur face. Battez-vous comme du monde, soyez intelligents dans votre façon de jouer, soyez quick dans vos présences. Puis patinez-les, ils survivront jamais à la vitesse qu'on va sortir. Les mots du coach sont féroces, comme le rap musclé que les filles ont l'habitude d'écouter pour se motiver. Ça, c'est notre chanson. On rentre plus dans la game, on dirait. c'est le temps, là, c'est là. En moins de 2 minutes, les jolies lycéennes se transforment en redoutables guerrières. Allez, let's go, Limoilou! Lors de leur dernière rencontre, les joueuses de Québec se sont inclinées face à Montréal. Ce soir, il règne dans la patinoire comme un goût de revanche. 20 h, le match est lancé. Au hockey, 5 joueuses et une gardienne s'affrontent sur la patinoire. Objectif, marquer le maximum de buts. Dans le public, les recruteurs sont attentifs. Ils ont 1 heure pour repérer les meilleures joueuses et leur offrir une place très convoitée en équipe universitaire. Le rêve de Maëlle et de toutes les filles sur la glace. Depuis 10 minutes, l'équipe de la Française ne parvient pas à rentrer dans le match. Julien, hop! Et échappe de justesse à un premier but. Vas-y, couleur! Pascal, le coach, est stressé. Ça va? Non. On n'a pas un bon début de match. Mais c'était normal avec la préparation qui a mal été. Là, si on passe la tempête, on va être correct. Mais c'était une tempête. Malheureusement pour Pascal, ses craintes ne se dissipent pas. Au contraire, incapables de gérer la pression, ses joueuses multiplient les provocations. Oh, ouais! Hey, va pas là! Hey, sortez-la de là! Maëlle, jusque-là réservée, s'en prend même à une de ses adversaires. Hey! Sortez-la de là! Ah non, mais pour vrai, là, je vais ramasser la fille. Elle a touché un cheveu de plus à Rodrigue puis elle était morte. Ah ouais. Sauf qu'il arrive. La mi-temps tombe à pic. Les deux équipes repartent chacune de leur côté au vestiaire pour mettre en place leur stratégie. Pascal, le coach des Limoilou, rappelle aux filles la tactique qu'il a déjà mise en place avec elles la veille. Ici, là, bien gagner l'espace libre pour pouvoir rentrer large et arrêter de leur donner la rondelle. Là, vous essayez de passer à travers, ça passe pas aujourd'hui. OK? Je suis pas satisfait des 20 premières minutes, on est capable de faire plus que ça, gang. OK? Prenez du beat au plus vite. Là. OK? Prenez du beat et venez jouer. Là. Parce qu'on est en retard là, dans ce début de match-là. Là. Okay. Ça va être dur à gagner si on reste à ce niveau-là. Il faut pas rater nos chances comme on est en train de les rater. Là. Ça marche? La lancette, on part ça? Allez, les filles! En seulement quelques minutes, les joueuses québécoises se sont ressaisies. Et très vite, elles se mettent à marquer. Les filles de Montréal réagissent rapidement. Mais le reste du match est largement dominé par les Limoilou de Québec. Il reste 6 minutes à jouer. Elles mènent 5 buts à 2 et se rapprochent de leur objectif. Hey, faut pas qu'ils changent! Faut qu'on score là! Maëlle, la Française, s'élance sur la glace. Hier, à l'entraînement, elle ne parvenait pas à appliquer les consignes et à inscrire de but. Ce soir, elle prend rapidement l'ascendant sur ses adversaires. Et alors qu'il reste 3 minutes de jeu, elle apporte le 6e et dernier point à son équipe. On est en sécurité, ils n'en reviendront pas, c'est impossible. Ce soir, malgré un mauvais début de match, les Québécoises ont gagné 6 buts à 2 contre leur rival de Montréal. Bon match! Vas-y! Hey, good job, gang! C'est une grosse, ça! Vraiment! Hey! Objectif, 0 défaite avant Noël, gang! On est dedans, là! Good job! Yes, sir, les girls! Yes, sir! Dans les coulisses, les recruteurs attendent les joueuses. Certaines sont approchées pour envisager leur avenir dans l'une des meilleures universités d'Amérique du Nord. Ce n'est pas le cas de Maëlle. mais la Française est encore jeune. Il lui reste un an avant d'envisager l'université. J'aimerais jouer universitaire, ça serait vraiment un de mes rêves. Après, même si je ne vais pas jouer universitaire, je peux être fière de ce que j'ai fait parce qu'il n'y a pas grand monde qui aurait cru que je me rendrais aussi loin dans le hockey. Et moi, je suis fière de moi, puis pas mal toute ma famille aussi. Donc, si jamais je continue, vous allez me revoir. Sinon, je vais aller étudier quand même pour mon métier dans la vie, puis voilà. Un mois plus tard, l'équipe du Québec s'est à nouveau imposée devant Montréal, laissant à Maëlle la chance de revenir sur le devant de la scène. Dans le nord du pays, sur les monts enneigés de Charlevoix, il fait moins 17 degrés. Pas de quoi impressionner Nathalie et sa famille. Ça va, on est bien couvert. Puis après, il reste la cagoule, le casque, tout le reste de l'équipement, mais je pense que ça va le faire. Bien emmitouflés dans un équipement spécial conditions extrêmes, les Français sont plus motivés que jamais. Ce matin, c'est motoneige pour tout le monde, avec le grand spécialiste de ce sport extrême. En plus de louer des chalets haut de gamme, Christophe est vice-président de l'Association des motoneigistes du Québec. Très exigeant sur les règles de sécurité, le passionné l'est aussi sur l'équipement. Comment ça va? Ça va. Les machines sont prêtes, je les ai chauffées ce matin, on s'habille bien, je vais vérifier vos vêtements si tout est fermé, si vous n'êtes pas trop habillé ou pas assez habillé. Vous avez tous un sous-pantalon? Oui. Ouais. Puis pareil, un sous-pull, ça interdit ça, voyez. Ah, c'est un pull, j'ai cru que c'était une écharpe, désolé. Pas d'écharpe, interdit les écharpes. Ouais, interdit. Parce que si jamais elle sort au vent puis qu'elle se prend dans la chenille, c'est étranglement, pendaison. Donc on n'est pas venu là pour ça non plus, hein. Si Christophe dramatise un peu, c'est parce que tous les ans, des accidents viennent interrompre les vacances des touristes peu expérimentés. Limitation de la vitesse, arrêt d'urgence, distance de sécurité... Christophe multiplie les consignes pour mettre en garde les vacanciers. Encore. Voilà, là c'est parti. Après avoir vérifié que tous les conducteurs avaient bien leur permis de conduire, Christophe lance le départ. Moi je vais partir devant. Ouais. Elle va compter jusqu'à 3 ou 4. Tu vas me suivre. Après tu vas compter 3 ou 4 secondes, tu vas la suivre et ainsi de suite. Okay. Vas-y Tony, démarre. C'est parti pour une heure de motoneige sur les 5200 km de sentiers balisés de la région. Dans un décor féerique, les Français découvrent pour la première fois ce sport très répandu au Québec. Après quelques minutes, Christophe décide de s'arrêter sur le plus beau point de vue de la région. Mais à peine sorti des sentiers battus, et c'est la chute pour Jessie, la fille de la famille, et surtout Jacqueline, sa grand-mère de 72 ans. Mais devant le spectacle, la mésaventure est vite oubliée. Donc là, ça représente le Québec en une image parce qu'on a le fleuve, on a les montagnes, on a les forêts, les lacs. C'est vraiment splendide. Bah, si tu regardes bien, il y a quand même vachement moins d'immeubles que Paris. Un peu moins, ouais. Hein, quand même. Et aussi moins de monde. La famille est émerveillée, mais elle a aussi très froid. Alors Christophe leur propose d'aller se réchauffer. Dans une ambiance typiquement québécoise, les Français vont découvrir les plats les plus traditionnels du pays. Alors c'est du pain de mie, avec de l'effiloché de poulet, une sauce brune versée à l'intérieur et au-dessous. Ensuite, ils mettent des petits pois et ils servent ça avec des frites. C'est très copieux. Mais le mieux servi reste Garou. Le cadet de la famille a décidé de tester la poutine. Du fromage et de la sauce barbecue. C'est bon. Franchement, j'aime bien. chaque Québécois aime la poutine, logiquement. Entre la poutine et les matchs de hockey... En plus, c'est le Canada qui mène, c'est parfait. En moins d'une semaine, les Parisiens ont été séduits par cette province du Canada. Tout ce qu'on peut trouver ici, c'est le rêve. La fraîcheur, ça me fait pas peur, donc tout est réuni pour que je me sente bien. Il n'y a pas de problème pour ça. Et Tony n'est pas le seul. Mais le séjour des Français se termine aujourd'hui. Reste à convaincre Nathalie, la maman de la famille, de renouveler l'expérience l'hiver prochain. Mais écoute, on va évoquer le budget. Il faut déjà qu'il y ait des années en France. J'ai bien travaillé à l'école. Oui, c'est ça. Retour à Montréal, au Centre Bell, une des plus grandes salles de spectacle de la ville. Il est 21 h, les spectateurs ont pris place et dans quelques minutes, le rideau va se lever. Thomas, le jeune acrobate français, s'apprête à entrer en scène. Il est concentré. On entend les applaudissements du public qui s'impatientent, ils ont vraiment envie que le spectacle commence, donc c'est un mélange de stress, de motivation, d'excitation, et donc c'est un mélange de tout ça qui fait qu'on se sent fort, et je vais essayer d'utiliser toutes ces émotions pour être le meilleur possible sur scène. Dernier échauffement en coulisses. Et c'est parti pour 1 h 30 de spectacle. Sur scène, les 35 artistes donnent tout. Une véritable performance physique et artistique qu'ils ont répétée pendant 6 mois. La chorégraphie est précise. Les décors spectaculaires, avec des arbres grandeur nature. En tout, 20 tableaux illustrent avec féerie le monde d'Avatar, inspiré du film de James Cameron. Dans son costume de Navi, Thomas exécute son numéro avec perfection. Après 1 h 30 de spectacle, orchestré avec précision, c'est un tonnerre d'applaudissements et une ovation pour les artistes. Ce soir, le Cirque du Soleil a gagné une fois encore le cœur du public québécois. Excellent. Vraiment très très beau. C'était magnifique. C'était vraiment beau, c'était beau. Impressionnant. Dans les coulisses, c'est le même enthousiasme. Les 35 artistes sont soulagés et heureux. Ah, c'était vraiment génial. Il y avait une standing ovation à la fin du show, tout le monde debout, c'était vraiment un gros moment, je suis vraiment content. Cette première marque le début d'1 an de tournée à travers toute l'Amérique du Nord. En tout, Thomas et tous les Névis du Cirque du Soleil vont explorer plus de 45 villes sur la planète Terre. Au cœur du centre historique de Québec, dans le plus grand palace de la ville, la soirée caritative présidée par le maire est lancée. Mesdames et messieurs, le roi et la reine de la soirée, on les applaudit chaleureusement. Louis XIV et sa femme Marie-Thérèse d'Autriche ouvrent les festivités. Dans la salle, les 450 invités triés sur le volet sont transportés à Versailles, le thème de la soirée. Objectif, récolter plus de 200 000 € pour les jeunes défavorisés de la ville. Pendant que dans la salle de bal, les invités se laissent transporter à la cour du Roi Soleil. En cuisine, Baptiste, le chef français, est tendu. Ce qui le préoccupe, ce n'est pas son repas qui est prêt et n'attend plus qu'à être réchauffé au dernier moment, mais la parade qu'il a imaginée pour transporter les convives à la cour du Roi Soleil. Vous êtes sûr de votre coup, là? Pas le choix. Dans quelques minutes, il défilera avec ses équipes dans la salle de bal, avec des brancards remplis de nourriture et la fameuse tête de bison de 25 kilos. Il y a tout le temps. Parce que si c'est fragile, ça peut tomber à droite et à gauche. S'il y a un client qui se prend une pomme sur la tête, c'est pas fun. C'est un peu stressant peut-être, mais ça devrait bien se passer. L'idée de Baptiste est risquée, mais c'est ce qu'il a trouvé de mieux pour rappeler le faste des banquets de Versailles et surprendre les invités. Et on vous invitera à vous asseoir maintenant pour admirer rien de moins que ce que vous allez manger ce soir. Concentré, le chef ouvre la marche. Derrière lui, ses cuisiniers sont un peu tendus. Ils transportent plus de 30 kilos de nourriture chacun. Un seul faux pas, et la soirée de rêve pourrait virer au cauchemar. Mais le défi a été relevé et les invités peuvent maintenant profiter. On n'a jamais de problème au château. On est à Versailles. On n'a jamais de problème. Exactement. Roxane, l'organisatrice, s'est emballée et cela ne fait que commencer. Le repas gastronomique qui attendait en cuisine depuis ce matin d'être servi. Et finalement, un succès. Verdict identique pour Régis Labaume, le maire de Québec, qui ne pense pourtant qu'à s'amuser. Je bois. Vous mangez pas, vous juste vous buvez. Eh bien, ce merveilleux repas, mesdames et messieurs, a été préparé avec une équipe absolument fantastique. Je vous présente le chef Baptiste Peupion, qui est accompagné du chef Maxime Albert et Alexis Jegoux, qui sont juste là pour préparer le repas pour vous ce soir. Ça s'est bien passé, je pense que les gens étaient contents. Ça fait descendre un petit peu la pression, là les gens sont plus relaxés, la fin de la soirée arrive, ils vont commencer à danser, on a passé une belle soirée. En tout cas, merci beaucoup, santé. Alors qu'en coulisses, les équipes peuvent enfin souffler, au premier étage, la fête bat son plein. La piste de danse, installée spécialement pour l'occasion, est remplie à craquer. La haute bourgeoisie québécoise est déchaînée. La soirée a rapporté 335 000 $, près de 220 000 € pour les jeunes défavorisés de Québec. Ce soir, le célèbre château de la ville aura permis aux riches donateurs de conjuguer générosité et festivité.